Monsieur Martin prête serment. Le Président, quel a été votre rôle dans l'enquête qui nous concerne? Monsieur Martin, j'étais de réserve le 24 juin avec l'adjudant Lesage. Nous avons été rappelés pour nous rendre à Grasse-Ologne suite à la disparition de deux enfants. Notre mission était de nous rendre au domicile des parents. En ce qui me concerne, je me suis rendu chez la famille Russo. Une fois sur place, lorsque des renseignements arrivaient, nous étions chargés de les transmettre rapidement. Par la suite, étant donné que je m'étais rendu le premier chez les Russo, on m'a demandé de continuer à y aller et à servir d'intermédiaire. Il ne fallait pas les laisser seuls et qu'ils aient l'impression d'être abandonnés. Enfin, je l'ai compris comme cela. J'ai continué cette mission ainsi que d'autres, en faisant des recherches, des auditions, en ayant des contacts, etc., jusque au mois de décembre 1995. Voilà mon travail dans l'enquête. Le Président, de quelle manière s'est terminée votre enquête? Monsieur Martin, je ne sais pas qui a pris cette décision. Ce n'est pas de mon ressort. Je suppose qu'il y a eu concertation quelque part. Je ne sais pas, je suis tout en bas. En fait, peu d'informations nous parvenaient encore. Donc, nous sommes remontés, l'adjudant, Lesage et moi, à la BSR de Serein pour continuer le travail que nous avions laissé au moment de la disparition des enfants. Le Président, la commission souhaiterait vous poser deux questions délicates. Tout d'abord, vous êtes l'auteur d'une lettre écrite à la mémoire de Julie et Mélissa. Vous dites, et je cite vos propos, qu'elles ont été sacrifiées sur l'autel de la justice. Elles ont été considérées comme un numéro de procès-verbal. On vous a interdit de rencontrer les parents. Qu'avez-vous voulu dire par cette phrase? Qui vous a interdit de rencontrer les parents? Monsieur Martin, j'aimerais être entendu à huis clos à ce sujet. Le Président, pour la question complète? Monsieur Martin, oui. Le Président, deuxième question tout aussi délicate, mais je dois tout de même vous la poser. Vous jugerez si vous pouvez vous exprimer en public, ce qui est malgré tout préférable. Toutefois, je comprends qu'il vous soit difficile de le faire dans certains cas. L'adjudant Lesage a dit à un collègue de Charleroi en parlant de vous qu'il ne savait pas comment il, c'est-à-dire vous, pourra s'en sortir. Que pensez-vous de ces paroles? Monsieur Martin, je me demande ce qu'il a voulu dire. En ce qui concerne la lettre, je vous ai dit que je m'expliquerai à huis clos. Je ne comprends pas ce qu'il entendait par là. Le Président, Monsieur Lesage ne s'est jamais adressé à vous pour quoi que ce soit? Monsieur Martin, non, absolument pas. Le Président, et qu'en est-il de la personne qui vous a interdit de prendre contact avec les familles? Vous désirez vous exprimer à huis clos à ce sujet? Monsieur Martin, oui. Le Président, pouvez-vous nous dire comment s'est déroulée l'enquête? Quels sont les reproches que vous avez à formuler à cet égard? Monsieur Martin, je n'ai pas compris, et je n'ai toujours pas compris, pour quelles raisons on n'a pas créé une cellule Julie et Mélissa à Grasse-Ologne. Pour ma part, il n'y avait qu'un pool d'enquêteurs qui travaillait au coup par coup. Ils disposaient d'un tas d'informations sur lesquelles ils travaillaient. En parlant de cellules, je pense à toutes celles qui ont été créées et qui fonctionnent encore actuellement. Mais quelqu'un n'a pas pris cette décision. Je ne sais pas qui pouvait la prendre. À mon avis, si la cellule Julie et Mélissa avait été créée, il est possible que nous ne serions actuellement pas en train de se déchirer l'un l'autre ou de se rejeter les responsabilités.
Je ne dirais pas que nous aurions retrouvé les enfants, mais je pense que nous aurions progressé nettement plus vite dans l'enquête. Je ne sais pas s'il y a eu des pertes d'informations ou des informations déformées, mais cela aurait en tout cas pu être évité dans ce cas. Tel est mon sentiment personnel. Le Président, je reviens à ma deuxième question. Je vais vous lire un plus large extrait de la lettre qui est parvenue à la Commission. J'ai terminé l'entretien téléphonique en lit, c'est-à-dire l'adjudant le sage, demandant de manière collégiale si cela irait. L'adjudant-chef le sage m'a répondu affirmativement en ce qui concerne l'adjudant Gillot et lui-même. Mais, pour le premier maréchal des logis Martin, il ne savait pas comment il pourrait s'en sortir. Ma question vous paraît-elle plus claire à présent, Monsieur Martin? Je comprends un petit peu mieux dans la mesure où il voulait peut-être exprimer ma personnalité, c'est-à-dire le fait que je n'aurais peut-être pas été à même de parler devant la commission. Je pense que c'est ce qu'il a voulu exprimer. Monsieur Serge Moreau, je n'ai qu'une seule question à poser. Sauf erreur de ma part, vous étiez l'un des destinataires, Monsieur Martin, d'un fax le 4 août, disparition de Julie et Mélissa, transmission de renseignements, émanant du capitaine Ball, de la BSR de Charleroi. Il s'agit d'un rapport du 4 août, qui fait part d'informations du premier chef Bouvy de la brigade de Charleroi et qui vous est adressé. Il y a également un fax dont vous êtes le seul destinataire de la brigade de Grasse-Logne. Il y a d'autres destinataires, notamment le commandant du BSR. Mais vous êtes le seul destinataire de la brigade de Grasse-Logne de ce fax du 16 août, qui est de nouveau référencé disparition de Julie et Mélissa. Il s'agit d'un fax très important puisqu'il contient toute la description de ce qu'il s'est passé lors de la réunion du 9 août et sur l'hypothèse d'obtenir des mandats de perquisition sous le motif de vol. À la brigade de Grasse-Logne, vous êtes le destinataire de ce fax, comme celui du 4 août. Monsieur Martin, oui. Monsieur Serge Moreau, ma question est double. Comment avez-vous utilisé cette information et à qui l'avez-vous fait suivre? Quel était votre rôle personnel dans cette affaire pour que vous ayez été désigné dans ces fax comme le destinataire? Quels étaient vos rapports privilégiés qui justifiaient cette mention par rapport à la BSR de Charleroi pour le 4 août et de la BSR de Charleroi pour le 16 août? Quelles étaient vos qualifications pour être le destinataire d'un fax BSR et d'un fax BRD et qu'avez-vous fait avec ces informations très sensibles? Monsieur Martin, la réponse à votre question de savoir pourquoi j'étais le destinataire est très simple. Avant de travailler à la BSR de Serein, j'ai travaillé à Charleroi. Mon nom est donc connu, et je crois que c'est la raison pour laquelle le fax m'est transmis. C'est en tout cas la seule raison que je peux. Ce fax a été remis à l'adjudant le sage. Monsieur Serge Moreau, les deux fax? Monsieur Martin, oui, bien sûr, s'il y a eu deux fax. Les fax sont toujours remis à l'adjudant le sage qui était et est toujours mon supérieur. Monsieur Serge Moreau, il était le chef d'enquête gendarmerie dans cette affaire. Monsieur Martin, on ne peut pas dire chef d'enquête. Monsieur Serge Moreau, non, puisque c'était Monsieur Lamocq. J'ai bien compris que Monsieur Lamocq, c'était plus théorique que réel par rapport à la gendarmerie. Monsieur Martin, Monsieur Lamocq aurait pu être un très bon chef d'enquête. Mais pour moi, il n'y a jamais eu de cellule Julie et Mélissa constituée. Je crois que c'est un nœud du problème. Monsieur Serge Moreau, vous ne connaissiez pas la fonction de Monsieur Lamocq dans l'enquête? Monsieur Martin, si, bien sûr, comme tout le monde. Monsieur Serge Moreau, dans l'enquête? Monsieur Martin, si, il avait été désigné responsable. Je l'ai vu quelquefois lorsqu'il venait, soit chercher des procès-verbaux, soit prendre contact avec l'adjudant le sage ou avec l'adjudant-chef Gillot. Monsieur Serge Moreau, mais a-t-il eu ses fax? Monsieur Martin, je suis incapable de vous le dire. Monsieur Serge Moreau, pour qu'il les ait eus, il aurait dû passer par Monsieur le sage. Monsieur Martin, je suis incapable de vous dire s'il a eu ces fax-là. Monsieur Serge Moreau, vous ne les lui avez pas remis? Monsieur Martin, à qui? Monsieur Serge Moreau, à Monsieur Lamocq. Monsieur Martin, non. Monsieur Serge Moreau, mais vous dites qu'il passait prendre les procès-verbaux. Et ça, c'est quoi?
Monsieur Martin, ce n'est pas un procès-verbal. Monsieur Serge Moreau, c'est confidentiel gendarmerie? Monsieur Martin, c'est confidentiel. Monsieur Serge Moreau, il est souvent mentionné confidentiel. Monsieur Martin, vous savez, confidentiel. Monsieur Serge Moreau, je crois que celui du 16 août est degré de priorité. Urgent. Confidentiel. Donc, dans votre esprit, vous ne deviez pas le remettre à Monsieur Lamotte, mais à Monsieur Le Sage. Monsieur Martin. Oui. Monsieur Serge Moreau. Et pour quelle raison? Monsieur Martin. Si Monsieur Lamotte n'est pas là, Monsieur Serge Moreau. Vous dites qu'il passe prendre. Monsieur Martin. Il passait prendre les procès-verbaux, mais on ne l'a pas vu régulièrement. J'en reviens toujours à la même chose. Si cette cellule avait été constituée et que M. Lamocq avait été désigné comme patron, s'il avait été présent où nous étions, si on avait constitué un pool d'enquête avec tout ce qui en découlait, il aurait eu ce fax. Ce n'est pas parce que je suis gendarme et qu'il est pigiste qu'on ne travaille pas ensemble. Le président. Oui, mais il n'était pas présent aux réunions de travail dont vous parlez. Monsieur Martin, quelle réunion de travail? Le président, par exemple, vous avez dit que vous aviez reçu un fax. Monsieur Martin, ce n'était pas une réunion de travail. Le fax est adressé à mon nom. Dans ce cas, il était peut-être sous enveloppe. Monsieur Serge Moreau, le fax était adressé à votre nom. Monsieur Martin, oui, d'accord. Je vois qu'il concerne l'enquête et je le remets à mon supérieur. Monsieur Serge Moreau. Et vous étiez tenu au courant par Monsieur Le Sage de la suite. Quelle était votre opinion? Monsieur Martin. J'étais tenu au courant d'une partie, puisque je n'avais pas que ceci à faire. Lui s'en occupait principalement et je le laissais faire. Monsieur Serge Moreau. Mais vous étiez le destinataire du fax. Monsieur Martin. Oui, j'étais le destinataire. Monsieur Serge Moreau. Vous étiez au courant de la réunion d'une voûte? Monsieur Martin. Comme je vous l'ai dit, ce fax m'a été envoyé de Charleroi, où on me connaissait. C'est pour cette raison qu'il m'a été envoyé. Si l'adjudant Le Sage ou un autre gendarme travaillant à Grasse-Sologne avait été avant moi à Charleroi, il est possible, et même certain, que ce soit à lui qu'on l'ait envoyé. Monsieur Serge Moreau, avez-vous été associé à la réunion d'une voûte? Monsieur Martin, oui, je suis effectivement allé à Charleroi le 9 août. Monsieur Serge Moreau, comment s'est passée cette réunion d'une voûte? Monsieur Martin, si mes souvenirs sont bons, à la réunion d'une voûte, 3 ou 4 personnes de la BSR étaient présentes, ainsi que le BCR. Nous avions d'un côté la disparition de Julie et Mélissa, et d'un autre côté, nous avions du trou. Pour pouvoir, dans mon esprit, et je crois que c'était l'esprit de cette réunion, faire un lien entre Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa. Donc, il faut étayer les informations qui datent de 1993. Monsieur Serge Moreau, le fax du 4 août contient des informations déjà actualisées par rapport à 1993. Monsieur Martin, oui, peut-être. Monsieur Serge Moreau, or, il vous a envoyé. Monsieur Martin, il n'y a pas beaucoup plus d'informations qu'en 1993. Monsieur Serge Moreau, on y parle d'enlever une jeune fille mince et qu'on peut se faire jusqu'à 150 000 francs. On y parle de se poster à la sortie d'une école. Le président. Qui présidait cette réunion du 9 août? Monsieur Martin. Je pense que c'était le BCR. Monsieur Serge Moreau. Et quelle a été la conclusion de cette réunion? Monsieur Martin. En conclusion de cette réunion, je pense qu'il a été demandé à Charleroi de continuer à rechercher des informations pour faire un lien entre les disparitions d'enfants, puisqu'à ce moment-là, il est question de disparition d'enfants,
afin de pouvoir intervenir sur du trou. Monsieur Serge Moreau, dans le fax que vous recevez, on parle d'obtenir des mandats de perquisition. Monsieur Martin, c'est-à-dire que nous les demandons. Monsieur Serge Moreau, c'était bien l'hypothèse retenue lors de la réunion. Monsieur Martin, pour les mandats de perquisition, nous envoyons un fax à destination de la BSF de Charleroi en date du 28 juillet 1995, où nous leur demandons toute une série de choses et où nous indiquons que les renseignements qu'ils pourraient fournir détermineront d'éventuelles actions ultérieures. Monsieur Serge Moreau. Donc, il y a le fax du 4 août, puis les informations données le 9 août par Monsieur Pétens lors de la fameuse réunion où il explique une série de choses, puis le rapport du 10 août, puis en annexe un fax que vous recevez le 16 août. Il y a le rapport de Pétens du 10. Monsieur Martin, oui c'est possible. Monsieur Serge Moreau, je crois qu'il est en annexe. Monsieur Martin, tout ce qui est arrivé à ce sujet, je le remets. Je ne le garde pas, je ne le traite pas. Monsieur Serge Moreau, je ne cherche pas à vous mettre en accusation de quoi que ce soit. Monsieur Martin, mais je tiens à préciser que je ne le traite pas. Je suis tout en bas de l'échelle. Monsieur Serge Moreau, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé au niveau des rapports Liège, Charleroi, BCR, au mois d'août et autour de cette période cruciale du 9 août. À ce moment-là, vous êtes dans le jeu. Monsieur Martin, je suis là. Monsieur Patrick Moriot, vous demandez des renseignements complémentaires pour faire des perquisitions. Vous les avez. Pourquoi ? Ne le fait-on pas à Liège ? Voilà la question. Monsieur Martin, d'accord. Mais je ne suis même pas certain d'avoir lu cela convenablement. Je ne suis pas le principal personnage qui joue ici dans cette opération. Je suis le destinataire, d'accord. On ne reviendra pas là-dessus. Mais je me trouve tout en bas de l'échelle. Monsieur Patrick Moriot, mais selon vous, qui doit jouer ? Monsieur Martin, selon moi, il y a d'autres personnes qui peuvent jouer. Monsieur Patrick Moriot, selon vous, c'est Monsieur Lamocq qui est chef d'enquête ? Monsieur Serge Moreau, Monsieur Lamocq, Monsieur Lesage, le major de Crane ? Monsieur Patrick Moriot, Madame Doutréau ? Monsieur Martin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent jouer là-dedans. Il faut un responsable. Mais qui, finalement, aurait pu mieux jouer ? Pourquoi y a-t-il des renseignements précis selon vous ? À ce moment-là, pourquoi la BSR de Charleroi ne rédige-t-elle pas un procès-verbal ? Puisque nous le demandons. Eux sont au courant de ces informations, beaucoup plus que nous. Nous allons rédiger un procès-verbal sur base de cela. Eux, ils ont entendu, ils ont cherché ces différents renseignements et les ont obtenus, c'est bien cela. Donc, c'est celui qui les tient, qui les obtient, en l'occurrence eux, qui doivent logiquement faire un procès-verbal ou un rapport écrit. Monsieur Patrick Moriot, mais ils ne le font pas, Monsieur Martin. Le président, le 9, on tire une conclusion. C'était une conclusion double. Ou bien on travaillait par perquisition sur les vols, ou bien on entrait immédiatement dans le dossier des disparitions des petites filles par l'intermédiaire du juge d'instruction de Liège, qui délivrait le mandat de perquisition. À ce moment, on a fait un choix. Vous rappelez-vous quel était ce choix ? Qui en a décidé ? Monsieur Martin, qui l'a décidé ? Je ne pourrais pas le dire. Le président, mais quel choix a-t-on fait ? Monsieur Martin, je pense qu'il y a eu cette opération, montée finalement, pas par nous, qui devait être montée à Charleroi pour une surveillance. Exactement en quoi consistait l'opération Othello ? Je n'ai pas assisté aux réunions de Charleroi. Ils en ont fait vraisemblablement pour voir comment ils allaient travailler. Moi, je n'y ai pas assisté. Je n'ai pas eu connaissance du rapport Othello. Je suis incapable
de vous répondre. Si je vous réponds, je puis me tromper. Le président. Mais vous pouvez vous tromper. Se tromper est humain. Monsieur Martin. Je sais bien. Non, franchement, je serais incapable de répondre. Totalement incapable. Le président. Vous savez quand même les conclusions qui ont été tirées. Il y avait deux possibilités et l'on en a choisi une. Monsieur Martin. Je ne pourrais pas le dire, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et en plus, je n'ai pas relu. Le président. Vous avez peut-être peur de vous exprimer. Monsieur Martin. Absolument pas. Monsieur Patrick Moriot. Toujours sur ce point. Vous demandez des informations. Vous les obtenez. Faisons fi de la décision de Charleroi. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi à Liège ne décide-t-on pas de demander des mandats de perquisition? Qui aurait pu le faire selon vous? Je répète ma question. Qui était responsable de l'enquête selon vous? Monsieur Martin, le responsable de l'enquête, c'était Monsieur Lamocq. Mais pour demander les mandats de perquisition, je pense qu'il aurait fallu une réponse, mais je n'ai pas lu la totalité. Je n'ai pas été au courant des renseignements. Reprenons au début. Le BCR monte, donc c'est lui qui demande. Le président. Vous étiez en train de faire une réponse. C'était Monsieur Lamocq. Mais il y avait quelqu'un d'autre? C'était qui? Monsieur Martin. Il y a l'adjudant Le Sage et l'adjudant Gillot qui auraient pu le demander. Mais dans l'optique de ces personnes, est-on arrivé vraiment à faire ce lien? Si celui-ci avait été fait, puisque c'est le BCR qui travaille là-dedans, et que ce n'est pas n'importe quoi, je pense qu'ils auraient reçu le rapport Othello. Ils ont eu la même chose que cela. Eux aussi, ils auraient pu dire « Nous en savons assez, vous devez demander des mandats de perquisition. » Monsieur Patrick Moriot, le BCR aurait pu dire cela? Monsieur Martin, plutôt conseiller. Je ne sais pas s'il l'a fait. Monsieur Patrick Moriot, Monsieur Lamocq était responsable d'enquête. Pourquoi ne lui avez-vous pas transmis les fax que vous receviez de Charleroi? Monsieur Martin, j'ai des supérieurs, en l'occurrence, Jean Le Sage et l'adjudant-chef Gillot. Je leur remets les fax, c'est mon rôle, je ne passe pas au-dessus d'eux. Je pense que c'est logique, normal. Madame de Tserclas, j'aimerais vous poser des questions plus générales sur la manière dont l'enquête a été menée et connaître votre sentiment sur les différents événements. Vous faites partie de la brigade de Grasse-Logne. Monsieur Martin. Je fais partie de la BSR de Serein et ai été détaché à la brigade de Grasse-Logne. Madame de Tserclas. Vous aviez une mission spécifique auprès des parents de la famille Rousseau? Monsieur Martin. Oui. Et j'ai continué. Il en fallait un. Madame de Tserclas, en dehors de cette mission spécifique, quel était votre travail précis dans le cadre de cette enquête? Monsieur Martin, je fais le même travail que tout le monde. Madame de Tserclas, c'est-à-dire? Monsieur Martin, il y avait des auditions à prendre, des renseignements à collecter. C'était le travail de tous ceux qui ont participé à cette enquête. Madame de Tserclas, ces renseignements étaient centralisés à la BSR de Serein? Monsieur Martin. Non. Lorsque nous avions une audition, suite à des renseignements, un procès-verbal était rédigé. Madame de Tserclas. Quand vous deviez auditionner quelqu'un, vous saviez pourquoi on vous demandait de le faire? Vous saviez de quel type d'enquête il s'agissait? Monsieur Martin. Il y a eu énormément d'auditions qui ont été faites sur base de renseignements qui émanaient soit de la famille, soit de la SBL Marc et Corinne, soit encore par des lettres. Madame de Tserclas, comment avez-vous perçu, là où vous étiez, quelle était la stratégie menée dans cette enquête? Quelles étaient les pistes que l'on suivait? Monsieur Martin, comme je l'ai dit tantôt, on devait travailler au coup par coup. Il y avait un morceau d'information. On nous demandait de nous occuper de ceci ou de cela. Nous avions également d'autres travaux à faire. Le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de structure bien définie.
On travaillait au coup par coup. Ben oui. Des éléments arrivaient, on devait les vérifier, on auditionnait, dans un cadre organisé. Non. Et même c'est pas au niveau problème. De la gendarmerie elle-même. Même pas au niveau de la gendarmerie elle-même. Ou de la BSR. Non. Non plus. Non, absolument pas. Vous aviez des réunions de briefing régulières sur la manière dont l'enquête évoluait ? Ben, c'est-à-dire que nous avions régulièrement, pratiquement tous les jours, de petites réunions au sein de la brigade de Grasse-Logne. Et là, on s'expliquait sur le travail que l'on avait fait. On a entendu une telle personne qui nous avait déclaré ceci, etc. Et que reste-t-il à faire dans ça ? On disait, alors, on prenait les autres renseignements. Voilà comment ça fonctionnait. Bon, et compte tenu de l'expérience que vous aviez déjà, disons, après un mois d'enquête, sans qu'on ait pu tomber sur des éléments très concrets, comment est-ce que vous avez perçu cette piste du trou ? Pour vous, elle paraissait une piste très importante. Elle paraissait une piste sérieuse, oui. C'est un fait. Oui. Ça vous, je veux dire, le fait d'avoir organisé une réunion où le BCR était présent... Donc, ce qu'il y a déjà, c'est que cette piste est prise au sérieux. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous avez eu la suite de la manière dont la piste du trou, après le Neveu, a été suivie, est-ce que vous en avez eu des retours ? Non, je ne pense pas que moi j'en ai eu des retours. Je sais que j'aurais encore peut-être pu donner des coups de fil, peut-être envoyer encore un fax ou deux qu'on me demandait d'envoyer, parce que bon... Jean Lesage était certainement occupé à autre chose. Tiens, tu ne peux pas envoyer ce fax-ci en demandant ceci et ça. Mais je n'étais pas impliqué directement dans du trou. Donc, je faisais, disons, office de rédacteur. Sans plus. Oui. Et alors, dernière question. Oui. Vous avez dit qu'après décembre 1995, vous avez réintégré Serein, j'ai bien compris ? C'est exact, oui. Et à partir de ce moment-là, quel a été votre rôle ? Vous avez repris vos activités normales ? Disons, on a repris nos activités au sein de la BSR de Serein. Donc, il y avait des dossiers qui étaient en cours lorsque nous sommes partis le 24 juin. Nous les avons terminés, mais... si mes souvenirs sont exacts, on a quand même encore travaillé dans le dossier Julie et Mélissa parce que nous n'avions pas terminé quelque chose. Si mes souvenirs sont exacts, je ne sais pas dire on l'a fait ou on ne l'a pas fait. Merci. Une question, Monsieur le Président. Monsieur Martin. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que Lamoc avait été bombardé, chef d'enquête, bombardé... Bon, je suppose, c'est une... bombardé, oui. Avait été désigné, disons. J'ai peut-être mal choisi le mot. Parce que je trouve désigné, c'est quand même moins péjoratif que bombardé. C'est moins péjoratif, oui. C'est un fait. Si vous avez dit bombardé, c'est votre subconscient qui parle. Non, c'est pas mon subconscient qui parle. Ça m'est venu comme ça. C'est quand même j'aurais révélateur. J'aurais pu dire... peut-être encore un autre mot. Il a été désigné par... Je ne sais même pas qui l'a désigné comme chef d'enquête. Qu'on te fait. Le juge Koumar. Bon. J'aurais pu dire bombardé comme moi. J'ai été bombardé à la brigade de Grasse-Logne. Mais vous n'avez pas au lieu apprécié. De dire désigné à la brigade de Grasse-Logne. C'était un bon choix pour vous, sincèrement. Je ne saurais pas dire si c'est un bon choix. Moi, je ne connais pas personnellement le commissaire Lamoc. Je n'ai jamais travaillé avec lui et je n'ai pas eu tellement de contact avec lui. C'est ça. Alors, au niveau, pour savoir qui est le chef, vous êtes donc le subordonné de Lesage, vous nous l'avez dit. Mais le supérieur hiérarchique de Lesage, c'est quand même Gillot. Oui. Et pourquoi... Est-ce que ça se fait que c'est vraiment Lesage qui a l'air de commander Gillot ? Comment vous expliquez ça ? C'est certainement peut-être une question de personnalité. Donc si je comprends... Vraisemblablement, je ne sais pas. Donc si le chef n'a pas de personnalité, c'est le sous-chef qui commande le chef. Je ne sais pas s'il y a eu... Y a-t-il eu... Est-ce que Jean
a vraiment commandé Gillot. Alors, le 7 je juillet... Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais... Le 7 juillet, Jean, comme vous l'appelez, oui, reçoit un fax de Charleroi. Quand êtes-vous au courant de la chose? Ça, je sais que ce fax... Moi, je demande les renseignements. Si mes souvenirs sont bons, le 17 juillet... Pourquoi avoir attendu? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand je reçois ce fax. Justement, là, je suis incapable de dire si l'on me donne ce fax directement à l'arrivée ou si on me le donne le 17 juillet. Je ne sais pas. Et c'est normal d'attendre 10 jours pour une information aussi capitale? Comme je vous ai dit, il y avait un monceau d'informations. Mais celle-là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais c'est pas éventuellement M. Lesage qui a reçu ce fax. Ce fax a été faxé à Grasse-Sologne, si je ne m'abuse. Exact. Exact. Mais c'est M. Gillot qui le reçoit, alors. Pas spécialement. Le fax est dans un bureau. Enfin, il y a quand même bien quelqu'un qui le reçoit. Oui, il y a quelqu'un qui le. Oui. Mais ce qu'il y avait aussi à Grasse-Sologne, il y avait une farde qui se trouvait près du fax. C'était pas spécialement un gendarme qui était dans l'enquête qui prenait les fax. C'était un gendarme, peut-être, qui était de passage par là et qui ne travaillait pas spécialement dans l'enquête, Julie et Mélissa, qui voyait un fax arriver et alors mettait dans la farde. C'est quand même extravagant. Sans le lire, alors. Pourquoi est-ce qu'on ne vous l'envoie pas, celui-là, à vous? Mais alors, qui regardait la farde? Ah, ça, je ne sais pas. On ne l'envoie pas. Tous les autres, on vous les envoie à vous parce que vous venez de Charleroi. Oui. Et celui-là qui est le premier, on ne vous l'envoie pas. Je ne sais pas. Mais c'est quand même. Qui ouvrait la farde? Le premier qui passait. Ça est déjà arrivé, oui. Bah oui, je t'en doute pas. Donc, même un procédé pour prendre connaissance du contenu, il y avait. Oui. Bon, c'était. La plupart du temps, c'était l'adjudant Gillot qui prenait cette farde. Mais vous dire, moi, pourquoi j'ai reçu ça le 10, je l'envoie le 17, je suis incapable de le dire. Je ne sais pas par où ce fax a transité avant de m'arriver dans les mains. C'est quand même une information cruciale, non? Mais je n'en disconviens pas, mais je ne sais pas par où elle a transité. On vous faxe le 7 de Charleroi. Une information vous disant, il y a Dutroux Martin. Ils ont enlevé et violé des enfants. Il aménage des caches pour y mettre des enfants pour les expédier à l'étranger. C'est quand même plus important que toutes les informations autres que vous avez reçues jusqu'à présent. Oui. Voyez là, il y a 77. Hein. D'accord. Oui. Regardez, M. Martin, il y a 60 kilos. Hein? Je sais, oui. 28 suspects, grâce à vous, grâce à M. Lamocq, grâce au travail du juge d'instruction, on fait des mandats d'amener, des mandats de perquisition. Oui. Pour des suspects moins importants que Dutroux. Oui. C'est un fait. Bien sûr. Et le 7 juillet, 15 jours après l'enlèvement des petites, on vous donne sur un plateau Dutroux, Martin. Oui. Et on attend 10 jours pour demander des renseignements. C'est normal? On peut maintenant dire que c'est pas normal. Mais comment se fait-il? Dutroux, à ce moment-là, est considéré comme un suspect potentiel, comme les autres qui ont été entendus à ce moment. Oui, mais... Je pense que c'est comme ça que ça doit se concevoir. La différence, c'est que ce suspect que vous dites comme les autres, alors qu'il est le principal... Maintenant, on sait qu'il est non, déjà à l'époque, on a dit que c'était le principal. Hein? Certains de vos collègues l'ont dit. Hein? Oui, peut-être. Comment se fait-il que le suspect principal ou l'un des principaux suspects n'ait jamais lui été entendu? Et vous demandez ça à moi. Moi, je ne sais pas. Ben, oui, je ne sais pas vous répondre, moi, là-dedans. Hein? S'il vous plaît. Vous êtes dans l'enquête. Je suis dans l'enquête, mais je n'ai pas que Dutroux à m'occuper. Mais vous et je ne parlez. M'en occupe pratiquement pas, Dutroux. Je ne fais que transmettre des fax et en recevoir. Bon, mais vous les lisez quand même quand vous les recevez. Je les lis, mais pas à tête reposée. Comment ça, pas à tête? Ben non, pas à tête reposée. Enfin, puisque moi, mes fax, je les remets à l'adjudant Lesage. Je remets après les tout avoir qui... lus. Mais bon, vous savez, vous allez me donner un papier... Je vais le parcourir, mais pas le relire une deuxième fois. Pour sauf si bien vous en comprendre pas. Le sens. Vous connaissez Dutroux? Non, absolument pas. Absolument pas, je n'avais jamais entendu parler de Dutroux. Soyons avant. De bon compte. Oui? Vous recevez des fax. S'ils ne vous sont pas destinés, vous les lisez en diagonale, si je comprends bien. S'ils ne me sont pas destinés. Oui. S'ils ne vous sont pas adressés personnellement. Vous les lisez en diagonale. Ceux
Oui, je ne vais pas m'intéresser spécialement à quelque chose, à un fax qui est transmis à un autre collègue. Celui qui m'est adressé. Le CESU. Je vois que c'est concernant qui vient de Charleroi, oui, et que c'est le rapport du trou. C'est oui, bien ça. Oui. Bon, je le lis effectivement, mais étant donné que du trou, j'ai Jean Le Singe qui s'en occupe. Je ne lis pas. Enfin, quand même. Je le lis, d'accord, mais je ne l'étudie pas. C'est quand même gênant pour un policier de ne pas être curieux, non? Si, mais à ce moment-là, il faut, disons, essayer de revenir là-bas. Au moment, il y avait énormément de choses à faire. Et si nous c'est pas banal, étions son... pratiquement surchargés. Mais je veux bien, mais ben ici, oui, dans un fax, il vous est adressé. Oui. Avec la mention degré de priorité urgent. Oui, mais je le remets. Ben oui, c'est urgent, tout. Mais urgent, c'est aussi pas seulement pour une remise, pour un examen du dossier. Mais j'ai un supérieur, je le remets à mon supérieur. Mais vous travaillez en équipe avec ce supérieur. Mais bien sûr que je Alors, travaille vous en équipe. Alors, vous n'en parlez pas. Mais à ce moment-là... Et vous ne lui dites pas, parce que vous l'appelez Jean. Oui. Vous ne lui dites pas, tiens Jean, c'est quand même capital cette information. Je lui donne. Et vous ne lui dites pas que c'est important? Ben, il le voit bien, il sait lire. Ben, pour vous, c'était ben, quand suppose. Même important, non? L'avez-vous considéré ce fax comme important? Je ne... Ben, il est important en un sens. Il mais est très important. Je ne lis pas... Je ne l'étudie pas, disons. J'aurais mais bien me faire comprendre je ne vous comprends ici. Pas. Je ne vous comprends pas parce que le neveu vous accompagnait, Jean Le Sage. Oui. Donc, c'est sur Dutroux. À propos de Dutroux, vous allez à Charleroi. Disons, on va à Charleroi. C'est le BCR qui demande cette réunion. Pour, sur Dutroux. Concernant Dutroux et l'éventuel lien qu'il peut y avoir avec Dutroux et les enlèvements d'enfants. Oui, mais si vous êtes là, vous, c'est pas pour les autres enfants que Julie et Mélissa, hein? Ah, bien sûr. Bon, c'est un fait. Comme Namur est là pour la maison de Dutroux qui se trouve sur l'arrondissement de pas Namur. Pas spécialement, à ce moment-là, je ne sais pas si ils sont déjà au courant de cette maison. Ils sont là. Non, non, c'est ce que nous a été dit, là, je comprends pas. Ah ben, moi, je ne sais pas là concernant, mais à mon sens, Namur est là-bas, plus spécialement pour l'enlèvement d'Elisabeth. Mais il était en prison. Oui. Là, je ne sais pas. Ce fax, lorsque vous avez reçu ce fax, est-ce que vous ne l'avez pas lu et remis immédiatement à M. Le Sage? Je l'ai lu et je lui ai remis vraisemblablement immédiatement. Mais encore, vous, était-il... Vous n'avez pas eu la réaction en le lisant, parce que vous dites maintenant, je l'ai... Enfin, vous dites toujours, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Ça vous a quand même pris. C'est quelque chose de... C'est pas banal, ce qui est dedans. Non, ce n'est pas banal. C'est un fait. Et ce réflexe, quel a été votre réflexe? Parce que c'est en somme ça que... Oui, votre bon, collègue avec veut le savoir. Moi, je ne saurais plus dire si j'ai dit quelque chose, tiens, ceci, c'est important, ceci, c'est très important, ou voilà un fax qui vient, qui m'est adressé, mais finalement, le voilà. Je ne saurais plus dire ce que j'ai dit à ce moment-là. Je ne l'ai pas noté. Je ne sais, ça, franchement, je ne sais pas le dire. Oui, oui. Pour vous, Dutroux, c'est quand même un suspect important. Vous êtes à l'invitation du BCR à Charleroi. Mais oui, c'est un suspect important. Vous êtes oui. là parce que, à Grasse-Ologne et Serein, BSR, vous vous occupez de Julie et Mélissa. Oui. Vous essayez de faire un lien entre Julie et Mélissa et Dutroux, c'est bien ça? Oui. Bon. Et on vous envoie un complément d'information, le CESU, qui finalement est le résultat de la réunion du Neveu à laquelle vous étiez. C'est bien ça? Je n'ai pas relu le fax maintenant, donc je ne l'ai pas sous les yeux, bah, écoutez, je ne l'ai pas relu, donc je ne saurais plus dire si c'est la teneur. Et vous êtes adressé objet oui. disparition Julie et Mélissa, c'est clair? C'est clair. Bon. Référence, BCR, district Serein, district 1, Charleroi et Namur, à Charleroi le Neveu. C'est bien à la suite de la réunion du Neveu. Donc vous dites, vous devriez quand même avoir un réflexe, c'est-à-dire, mais c'est quand même une suite... d'une réunion à laquelle j'ai participé. En oui. toute logique. Toute donc, logique, on oui. est curieux de savoir, si on a pris la peine au BCR oui. de réunir quatre BSR oui.
sur Dutroux et Julie et Mélissa. Le 9 août, qu'on décide le 9 août de demander des compléments d'information à Charleroi. Qu'on vous les communique le 16, c'est bien ça. Et vous n'êtes pas curieux de mais lire je l'ai lu ce. Bon, je l'ai certainement lu ce fax, mais j'ai remis ce fax à mon supérieur. Et vous ne lui en parlez pas du contenu? Mais j'en ai peut-être parlé, je ne m'en souviens pas si j'en ai parlé, si nous en avons parlé ensemble c'est ou ça. Si quelqu'un d'autre en a encore parlé c'est avec nous, ça je. Dans un dossier de cet important, à Jean, je suis incapable Jean. De dire si je lui ai parlé de ce fax, si on en a parlé à deux ou trois, ou à plusieurs. Mais on en a parlé, je suppose. Alors comment ne savez-vous plus... Je l'espère qu'on en a parlé. Et comment n'avez-vous plus le souvenir d'en avoir parlé? Il y a, depuis l'arrivée de ce fax, il y a quand même... Je crois l'opération qui continue ou qui commence, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai plus souvenir, je n'ai pas noté. Mais c'est quand même le principal suspect. On est quand mais on oui, est... Mais... Vous êtes BSR, vous êtes donc enquêteur. On est curieux quand on est enquêteur. Vous brûlez. Ça, d'accord. Bon. Et quand on brûle, on n'essaie pas d'arriver d'en savoir plus, non? Mais je remets ce fax. Donc, pour moi, qui assistait à cette réunion du 9 août, mon supérieur, c'est M. Le Sage. Oui. Donc, c'est lui qui traite cette information, qui doit traiter et qui la traite du trou. Si cela m'est adressé à moi, c'est le fait, encore une fois, que j'ai travaillé à Charleroi. Si c'était M. Le Sage qui avait travaillé à Charleroi, c'est à lui. Ou si c'était le gendarme Paul ou Henri, mais ce serait à lui que ça aurait été adressé. Le Sage, vous avez écouté ce qu'il a dit ici à la commission? Non, absolument pas. Je n'ai pas... Non, rien. Je n'ai pas regardé. Non, vraiment. Vous n'êtes vraiment pas curieux, vous. Si, mais... là, je peux m'expliquer... Si je n'ai pas regardé ni la TV, ni lu les journaux concernant ça, c'est suite raison médicale. Là, je peux... C'est simplement pour ça oui. que je n'ai pas... Eh bien, je vais vous dire ce que le Sage a dit. Oui. Il a dit que, finalement, à Charleroi, on n'allait pas assez vite pour lui communiquer des informations sur Dutroux, qu'on traînaillait, somme toute, à Charleroi. Donc, il avait l'air impatient, le Sage, d'avoir les infos sur Dutroux. On a eu l'impression, à un moment donné, que... On traînait. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, si vous avez eu, comme M. Le Sage, j'ai l'impression que ça traînait. C'était... Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être voir si... Pour quelle raison on avait cette impression. Moi, je suis... C'est une impression. On a demandé, donc, c'est le 17, la réunion du 9 août. Je pense que des informations auraient dû suivre régulièrement. Mais après le 9 août, le 16, ça arrive. Donc, à ce moment-là, votre curiosité... J'aurais peut-être dû suivre... Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un autre travail, et mon supérieur, c'est Jean Le Sage. Et la moque, vous l'avez vue souvent? Après le 16 août. Je n'ai pratiquement pas parlé avec. C'était bonjour, bonsoir quand il venait. Je n'ai jamais eu de contact avec lui concernant le dossier. Et pourquoi est-ce que vous ne lui parliez pas d'un truc comme ça aussi important? Mais pourquoi moi? Non, j'ai un supérieur, encore une fois... Donc, si le supérieur ne fait rien, le... Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, moi. Mais vous ne lui avez pas demandé, puisque vous l'appelez Jean, qu'as-tu communiqué? Non. Je ne pense pas que je l'ai demandé. Je l'ai peut-être fait, mais je ne sais pas. Et vous ne lui avez jamais dit... de vous répondre. Jean, pourquoi ne fais-tu pas un PV? Vous lui avez suggéré? Oui, mais il y a le collègue Herzé qui voudrait poser... pas mal de temps, une question. Oui, oui. Pourquoi Monsieur Lamotte n'est pas avec nous? Puisque vous m'avez dit tout à l'heure non, qu'il était responsable d'enquête. Ça vous a pas étonné? C'est une réunion qui a été demandée par le BCR. Donc, lorsque nous nous rendons à Charleroi, nous ne savons pas qui va être invité. Nous savons qu'il y a
des BSR, mais nous ne savons pas. Moi, personnellement, je ne sais pas qui va être à cette réunion. Enfin, le fax de convocation est très clair. Le fax de convocation, mais je ne sais pas on a invité Mélissa, d'autres personnes. C'est Julie et Mélissa. Donc, et si l'homme qui est responsable d'enquête, il devait être là. Et pourquoi le BCR ne convoque pas la MOC? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis ici tout en bas. Je ne vais pas aller demander au colonel, au patron du BCR, pourquoi. Moi, je me borne à donner et à recevoir les informations, je les donne à mon supérieur. Oui, il y a le collègue Herzé qui voudrait vous poser une question, mais ouais. Peut-être préalablement, je constate que le fax du 4 a été envoyé à votre adresse, mais également à celle du maréchal de logis chef Dubon. Quel est son rôle là? Bon, le chef Dubon est venu en renfort, parce qu'il faut savoir que Jean Le Sage s'occupait plus principalement avec l'adjudant-chef Gillot d'essayer, de tenter, de coordonner, de lire. Et la plupart du temps, je me retrouvais seul. De lire. J'ai demandé quelqu'un pour venir avec moi, et c'est comme ça qu'on m'a donné que le chef du groupe est venu. Je comprends bien la lecture. Parce que vous dites de lire. Oui, bon. Donc la lecture des fax, normalement, ça. Il n'y a pas honte à reconnaître que vous n'avez pas lu le fax, hein, monsieur. Mais. Martin, je ne dis je pas. Je ne sais pas. Je suis. Je l'ai vraisemblablement lu, c'est possible. Mais. Je n'ai pas attaché plus d'importance puisque. Je dois le remettre à mon supérieur. C'est ce que je fais. Je ne l'étudie pas, ce fax. Madame Herzé. Oui, une simple question dans la prolongation de ce que mes collègues ont demandé, monsieur Martin. Oui. Vous dites vous-même, si c'est en connotation péjorative, que vous êtes un petit et que vous n'avez pas eu de rôle important joué dans cette affaire-là. Alors pourquoi, à votre avis, avez-vous été invité à cette réunion du 9 août où, en fait, il y avait quand même ce qu'on appelle des huiles, des brigades, il y avait le BCR. Pourquoi vous, à cette réunion-là? Pourquoi moi? À votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'aurais vous en pu avez fait y être allé et ne pas y être allé. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Excusez-moi. On vous a invité nommément ou pas? Ou bien est-ce que... Je ne pense pas que la convocation soit nominative. C'était pas un moulin à vin, quand même. C'était quand même quelque chose d'important où les gens étaient invités, venaient avec un mandat, avec quelque chose à faire, à répercuter, à... Enfin... Oui. Oui. Oui, mais non, je ne sais non, pas après. Si c'était nominatif. Ou... Qui vous a dit, quelqu'un. Monsieur Martin, venez? Qui vous a dit, monsieur Martin, venez à telle réunion? Qui vous a invité? On ne m'a peut-être, moi, certainement pas dit, venez. Ben, vous êtes allé comme ça, à des réunions pareilles? On va comme ça C'est qui vous a emmené? Oui, parce que... Je pense... Vous avez reçu personnellement non, une invitation? Non, je ne pense pas que j'ai reçu une invitation personnelle. C'est monsieur Le Sage qui dit, vous m'accompagnez. Oui, et moi, disons, je suis assez content d'y aller. Parce que bon, je vais retrouver des collègues de Charleroi, pouvoir leur dire bonjour. Et dans mon esprit, je vais un petit peu décompresser. Je pense que c'est un peu pour ça que j'y suis allé aussi. Monsieur de Croly. Merci, monsieur le président. J'ai deux ou trois questions à poser à monsieur le maréchal des logis Valère Martin. Monsieur Martin, dans la famille des Russo, j'ai appris qu'on vous avait surnommé pendant le cours de l'enquête Tonton Valère. Vous avez écrit cette lettre. Je voudrais un peu savoir ce qui avait permis ce genre de climat de s'instaurer. Et au fond, comment est-ce que les choses se vivaient au jour le jour? Parce que finalement, nous avons énormément d'informations sur les aspects techniques ou bureaucratiques, transmission de fax, etc. Mais sur ce qui se passait sur place et au jour le jour, et du point de vue de l'ambiance, on a relativement peu d'informations. Et là, peut-être que vous pouvez nous en apporter.
Comment les choses se passaient-elles? Que savez-vous des services de psychologues dont on nous a dit qu'ils avaient été affectés au, oui. au suivi ou à l'accompagnement des familles? Comment est-ce que cela se passait-il au concret et au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour qu'on se mette dans cette ambiance-là et qu'on comprenne peut-être c'est-à-dire mieux certaines choses? Collègue de Colis, je ne crois pas que c'est la famille qui ait nommé monsieur comme le tonton Valet. Si. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Ça a un autre sens. Je ne sais pas très bien. Oui, c'est la famille, d'ailleurs. Je crois que c'est Jean-Denis le Jeune. Moi j'ai lu ça dans votre lettre. Mais enfin, oui, vous répondez, je crois que c'est Jean-Denis le Jeune qui. Vous répondez quand même sur la question précise du collègue de Crolly. Oui. Quant aux relations. Donc les relations se sont installées, étant donné que j'y allais. Régulièrement, si pratiquement tous les jours, il y a un climat, je crois, de confiance qui s'est installé. À force de côtoyer ces gens qui étaient quand même assez et même très douloureusement touchés par ce qui leur arrivait, moi aussi, j'ai commencé vraisemblablement sans le vouloir à faire partie, je l'ai ressenti comme ça, un peu de la famille. Ça c'est comme ça que je ressens. Bon, maintenant l'histoire du psychologue, c'est un fait. J'ai demandé moi-même le psychologue. Je l'avais déjà demandé le dimanche. Je ne l'ai pas eu le dimanche, et c'est par après, je demande encore plusieurs fois, je ne sais plus la date à laquelle il est arrivé, et c'est à ma demande que le psychologue est arrivé chez les deux familles. Est-ce que vous savez comment il a travaillé, ce qu'il faisait, quel type de mission il devait remplir? Non, absolument pas. Donc moi je l'ai présenté. Et je n'ai jamais... c'est normal, ce qui est tout à fait normal. Le psychologue fait son travail et n'a pas à nous tenir au courant. Mais c'était votre choix. Ce n'était pas forcément le choix de la famille, le psychologue. Vous l'avez amené un jour. Ben, j'ai demandé si je pense en avoir parlé. Je pense en avoir parlé. Si on m'a dit, on m'aurait peut-être dit oui ou on peut toujours essayer, je ne sais pas. Je l'ai amené. J'ai une deuxième question. Oui, collègue de Crolly, puis monsieur Erdogans. Ma deuxième question est la suivante, monsieur Maréchal Delogis. Je voudrais savoir si à un moment ou l'autre de l'enquête, vous avez été consulté ou si vous avez entendu qu'on avait consulté d'autres enquêteurs sur l'adéquation des moyens dont vous disposiez en hommes, en effectifs, en matériel peut-être, à la mission dont vous étiez chargé. Est-ce qu'à un moment ou l'autre, cela a été évoqué? Est-ce qu'on vous a demandé si tout allait bien, si il y avait suffisamment de moyens Ben, disons des moyens, on en a demandé. On a demandé des moyens, notamment en matériel. Ordinateur portable, véhicule, et on voulait aussi changer de bureau. Nous travaillions dans un réfectoire, donc ce qui n'était pas l'idéal pour le calme, etc. Donc il nous fallait du matériel, donc cela a été demandé, oui. À quelle époque? Là. Je ne sais pas. Est-ce que... Vous savez comment on a décidé de la réduction des effectifs? Parce que d'après nos informations, en début d'enquête, il y avait un certain nombre d'hommes mis à disposition par les deux services de police. Moi, j'ai lu quelque part 12 agents de police judiciaire et 3 officiers de police judiciaire. Puis cette équipe aurait été réduite à un moment donné à 12 hommes, de 15 à 12. Et puis à partir du 2 janvier 1996, ça a encore été réduit. Au fond, en fonction de quoi, d'après vous, est-ce qu'on procédait à ce genre de redimensionnement de Je n'en ai pas la moindre idée.
Là, je n'en ai pas la moindre idée. Collègue Morio. Oui, monsieur le président, je voudrais d'abord demander à monsieur Martin s'il connaissait monsieur Michaud. Monsieur Michaud. Je connais monsieur Michaud pour la bonne et simple raison que je l'avais déjà rencontré lorsque, je pense, c'était un dîner. Parce que lorsque j'ai quitté Charleroi, j'étais invité régulièrement, et notamment le 14 février, à se réunir, et on mangeait tous ensemble, épouse, etc. Et je pense que c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré. Je ne crois pas que M. Michaud était déjà, je ne suis pas certain, qu'il était déjà à la BSR lorsque j'ai quitté Charleroi. Et donc, dans le cadre de l'enquête, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Oh, j'ai vraisemblablement eu des contacts téléphoniques. Et qu'est-ce qu'il vous disait dans ces contacts, par exemple? Est-ce qu'il vous a informé clairement de la piste du trou, toujours? Non, puisque, bon, chaque fois que j'avais contact téléphonique, je demandais que l'on me faxe ou que l'on fasse un rapport complet sur quelque chose. C'est ça, je l'ai toujours demandé, même dans d'autres histoires que du trou. Ça, c'était mon principe. Alors, la deuxième question, c'est, vous avez dit tout à l'heure que vous regrettiez qu'il n'ait pas eu une cellule Julie et Mélissa. Exact, c'était oui. Sans doute une des causes, ou peut-être la cause de... vous avez dit clairement qu'on ne serait sans doute pas ici... En centre déchiré, oui. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous dire, Monsieur Le Sage, lors de son audition, a dit que lui, c'était la première fois qu'il travaillait dans une cellule mixte, à savoir PJ Gendarmerie. Donc, j'ai eu cru comprendre, ou peut-être me suis-je trompé, qu'il y avait une cellule. Ben non. Moi, il n'y a pas une cellule. Là, c'est clair. C'est très clair. Donc, vous n'avez jamais participé à des réunions avec les enquêteurs, Madame Doutret. J'ai travaillé dans des cellules. Mais là, ce n'est pas une cellule. Dans une cellule, qu'est-ce que j'ai? Une cellule, c'est structuré. J'ai, prenons l'exemple très simple actuellement, de la cellule de Neuchâteau. Mmh. Ben, nous avons juges d'instruction qui sont déchargés de leurs autres dossiers, qui n'ont plus des rôles de garde à monter, qui sont disponibles. Nous avons un chef d'enquête, un patron. Nous avons un bureau qui reçoit les informations, qui les distille, qui les traite, qui voit la priorité des informations. Mais là, dans Julien et Mélissa, il n'y a rien de tout ça. Alors ne me demandez pas qui aurait pu prendre cette décision, là, je n'en sais rien. Alors, mais je comprends pas. Il n'y a pas eu quelque chose de structuré. S'il n'y avait rien de structuré, pourquoi alors, tout à l'heure, vous nous répondez que les fax, vous les transmettez à votre supérieur hiérarchique, point final. Ben oui, bon, et pourquoi pas M. Lamotte, qui est le chef d'enquête, puisqu'il n'y a rien de structuré? Bon, oui. Ah ouais, je peux vous retourner l'argument. Bon, bien sûr, mais à ce moment-là, j'aurais pu les envoyer directement, peut-être, à Mme Doutret ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Mais... puisque entre nous, nous travaillons à la gendarmerie. Donc, mon équipier est supérieur est M. Le Sage. Donc, je trouve tout à fait normal. Et en plus, il a participé à la réunion du 9 août, auquel M. Gillot n'assistait pas. Donc, je ne suis pas certain. Donc, il est tout à fait normal que je les remette à l'adjudant Le Sage. Oui, voilà. Je reproche rien, mais je non, dis non, que, mais voilà la réponse. Parce que si M. Lamocq avait été à la réunion du Neveu, vous lui auriez peut-être remis. Alors, dernière question, à combien de réunions avez-vous participé avec le juge d'instruction, avec Madame la juge d'instruction d'Outrève? Moi? Oui, vous, à titre personnel. À peu près, pour avoir un ordre de... Je pense n'avoir vu Madame d'Outrève qu'une seule fois à la brigade de Grasse-Sologne. Et je crois me souvenir que c'est lorsque on a présenté
l'analyse de l'enquête voisinage. Je n'ai jamais eu de contact avec Madame Doutray concernant ce dossier que cette fois-là. Et c'était pour présenter l'analyse, si mes souvenirs sont bons, concernant l'enquête voisinage. Okay. Est-ce que c'est la pratique courante que quand là, vous êtes dans... Vous dire. Là, je ne saurais pas vous dire de date. Monsieur Martin, oui. Est-ce que c'est la pratique courante dans une enquête que vous avez une longue expérience, qu'on ne voit qu'une fois dans une enquête de cette importance au juge d'instruction? Mais moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Oui. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Oui, mais au niveau où vous êtes et en fonction du rôle que vous jouez dans cette enquête... Là, je ne... L'attendrons le clos. Répondre. Là, je ne sais pas répondre. Peut-on? Il y a d'autres... Dans certaines enquêtes, on ne voit même pas. On ne voit même pas de juge d'instruction. On travaille par coup de téléphone. Mais il y a ici, des enquêtes qui ne nécessitent pas de contact. Mais ici, moi... Réunion. Je, à l'avenue, à Grasse-Sologne. Donc, uniquement présenter ça. Mais je pense qu'il y a eu... Et par téléphone, vous, rien. Et M. Lamocque, vous avez eu combien de réunions dans le cadre de cette instruction? Moi, personnellement, la seule... Je pense que c'est la seule fois que moi aussi, il y a eu une réunion avec M. Lamocque. Il est peut-être venu, mais oh, je n'y assistais pas, je n'étais pas là. Ouais. Okay. Merci. Oui. Collègue Minguin. Oui, très précisément. Vous n'aviez pas de relation régulière de travail avec Madame le juge Doutray. Est-ce que vous aviez des échos, par contre, de vos collègues, et plus particulièrement de Monsieur Le Sage, quant à l'état de ces relations? Est-ce qu'il y avait éventuellement des réactions, des commentaires, des appréciations? Il y a eu des commentaires, il y a certainement eu. Et je pense qu'il nous donnait régulièrement, lorsqu'il avait eu, et M. Gillot également, lorsqu'ils avaient eu réunion avec Mme Doutray. Mais vous dire exactement ce qu'il racontait, ce qu'il nous rapportait, là, je ne saurais plus m'en souvenir saillant, maintenant. Pas de fait saillant quant à la nature de ces relations de travail, pour de moi, manière non. dont le jeu... Non, il n'y a rien qui m'a marqué là-dedans. Collègue Hirdkens, et puis je voudrais rentrer dans le huis clos. Non, le 7 juillet... 7 juillet, donc, vous savez qu'il y a eu un PV transmis à Grasse-Sologne. Oui, M. Martin. Oui. Donc, le 16 août, vous recevez ce PV, vous le remettez à M. Le Sage, et après, vous inquiétez-vous du suivi de Dutroux par rapport à Julie et Mélissa en fonction de ce qui a été convenu avec les Carolo? Ça, je suis incapable de vous répondre si... J'en parle encore, vraisemblablement on en parle encore, mais la teneur des conversations concernant plus spécialement ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais c'était quand même un sujet. Je ne saurais pas vous le dire. Donc il est sorti de votre mémoire? Mais non, on n'est pas sorti de ma mémoire. Je crois qu'il n'est sorti de la mémoire de personne. Mais vous dire la teneur et de quoi on parle, je n'ai pas de notes. Enfin, c'est quand même un minimum. Voilà un suspect. Vous allez le neveu au BCR, enfin avec le BCR, à l'invitation de celui-ci à Charleroi. On décide de recueillir des renseignements. On vous les communique le 16 août. On décide de faire une opération qu'on appellera Othello, pour surveiller spécialement Dutroux. Mais Othello, je l'ai appris beaucoup plus tard, le nom de l'opération. Alors, donc moi, je suis, à ce moment-là, en dehors des décisions qui se prennent entre Charleroi et éventuellement mes supérieurs hiérarchiques à Liège. Mais on fera des perquisitions le 13 décembre 95. Oui, j'ai été au courant, oui. Mais Jean Le Sage, Jean Le Sage, je suis en partie en congé, oui. Jean Le Sage est allé à Charleroi pour s'enquérir du résultat des perquisitions. Je l'ai appris dernièrement. Il vous en a jamais parlé? Non, je suis en congé à ce moment-là. Il ne m'a jamais parlé de ce qu'on avait découvert. Alors, Jean Le Sage ne faisait pas un débriefing entre vous et les autres gendarmes et lui, périodiquement pour... À ce moment-là, je suis donc au mois de décembre, lors des perquisitions, je suis en congé. Et au mois de janvier, je reprends ma fonction à la BSR de Serein.
C'est ça. Donc, il n'y a pas d'échange d'informations entre vous après votre tour. Je pense qu'on parle de l'évolution du dossier, mais je ne sais pas si Dutroux revient sur place. Bon, moi, pour ma part, je suis déçu, véritablement déçu d'être monté à Serein. Et je crois que... C'est ça. Alors, dernière question. Donc, après l'arrestation de Dutroux et la découverte malheureuse, que vous savez, des deux petites, malheureusement décédées, Monsieur Gillot, le 19 août, révèle à Madame Doutreuil l'opération Othello. Pourquoi fait-il ça? Ça, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas vous répondre pourquoi il révèle cette opération. Mais s'il la révèle... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là, donc vous je ne sais pas... Vous dites qu'il la révèle, vous répondez, je ne sais pas pourquoi il la révèle. C'est qu'elle ne savait pas. Je ne sais pas pourquoi il la révèle à ce moment-là. Je ne sais pas, je ne suis pas avec M. Gillot, je ne suis pas avec Mme Doutreuil, donc je ne sais pas quelle conversation ils ont ensemble, je ne sais pas ce qui se passe, donc, je ne sais pas révèle, les contacts qu'ils ont. S'il révèle Othello à ce moment-là, Mme Doutreuil, c'est bien que Mme Doutreuil ne savait pas qu'Othello existait. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas au courant, je ne saurais pas vous répondre. Et vous en avez parlé avec M. Gillot? Des raisons pour lesquelles il présente ce dossier? Non, je n'ai plus vu M. Gillot depuis. Donc j'ai eu le travail qui a continué à la BSR de Serein, puis alors je suis allé à Neuchâteau. Donc je n'ai plus eu de contact avec M. Gillot et toujours pas actuellement. Je proposerais que nous entrons dans un huis clos pour la seule question qui reste encore à poser à M. Martin. Donc les gens qui n'appartiennent pas à la commission voudront bien quitter la salle.